Ouais, Alban, je viens d'arriver sur l'île. Ok, d'un autre côté, c'est tout bon, je suis prêt à faire le transfert bancaire. Ok, je dépose ma valise à l'hôtel et je t'appelle dès que je l'ai devant moi. Céline, franchement, faut que tu fasses attention. L'objet a une super grande valeur, on n'est pas du tout les seuls à vouloir mettre la main dessus. Tu la connais, la Ramirez. T'inquiète. Ça fait depuis le début de ma carrière que je suis à la recherche de cette amulette. Je peux t'assurer que je compte bien quitter l'île avec. Ouais, là c'est la scène où, où Céline Jacquard arrive à la villa de Veronica Ramirez. Donc c'est une super belle hacienda mexicaine, tout ça. Véronica, c'est une collectionneuse. Véronica, c'est une collectionneuse riche là, d'artefacts, d'objets d'art et tout ça. Elle a réussi à mettre la main sur le talisman en question que Céline Jacquard veut arriver. Donc là, elle arrive, elle rentre dans l'hacienda. Il se présente, tout ça, il s'échange quelques mots en espagnol, tout ça, parce qu'ils se connaissent un peu. Puis là, il y a le valet qui apporte la valise, elle lui montre l'objet. Céline, elle flippe complètement parce qu'elle tripe de retrouver cet objet-là. Elle l'a cherché toute sa carrière. Ça fait 10-15 ans qu'elle cherche ça, c'est comme le paroxysme de sa carrière. Puis là, elle appelle Alban, elle dit « C'est bon, je l'ai devant moi, on peut confirmer le transfert bancaire. » Le délit se conclut, tout ça, ils se saluent, ils se changent quelques mots, ils sont un peu « bitch », là, tu sais. Puis là, elle prend la valise, elle part. Puis là, c'est là qu'elle sort de la villa, et puis... c'est ça. Elle sort de la villa avec la valise, et puis là, Véronica Ramirez appelle ses hommes de main pour qu'ils lui rechoppent la valise parce qu'elle, finalement, elle veut l'avoir l'objet. Elle fait semblant que ça ne l'intéresse pas, tout ça, qu'elle ne s'intéresse plus au truc. Ok, mais je comprends pas. Pourquoi il parle espagnol? Ben, parce que ça se passe au Mexique. Mais attends, ta comédienne, elle n'est pas espagnole. Est-ce qu'elle parle espagnol? Non, mais ça se passe au Mexique, là. Je veux dire, c'est pas grave, là, c'est pas espagnol. On fait juste lui faire dire quelques mots en espagnol, là, des petites phrases. Elle parle avec un peu l'accent espagnol. Puis... Mais non, si elle parle pas espagnol, elle a pas l'accent espagnol. Tu vas pas faire jouer une Française, une Espagnole. Enfin, sinon, c'est de l'appropriation culturelle. Ça passera jamais, ça, au Québec. Vamos. Et là, c'est le braquage au couteau. Elle se promène dans les villes, elle essaie de le semer dans les petites rues, tout ça. Elle se cache dans une petite porte, comme ça, pouf, elle pense qu'elle est en sécurité, elle vérifie, OK, il s'est pas présenté, elle a réussi à le semer. Sauf que là, il arrive par derrière parce qu'il a trouvé un autre passage, il connaît la ville comme le fond de sa poche. Et puis là, pouf, il achète par derrière avec un couteau. Ouais, attends. Ton comédien, c'est un cascadeur? Non, je pense pas. Mais attends, sinon, tu vas pas demander à un comédien lambda d'attraper par derrière avec un couteau. Attends, c'est hyper dangereux, là. T'as vu ce qui s'est passé avec Alec Baldwin? Non, mais attends, on va pas prendre des risques maintenant avec des armes, tout ça. Non, les armes, sinon, t'oublies. Franchement, t'oublies. Non, je travaille pas avec des armes pour le moment. Bon, en tout cas, il y a le braquage. Le mec, il se pousse avec la valise. Ouais. Il saute sur la moto. Et il se passe quoi après, là, dans ton film?
ses hommes de main, ils rapportent la mallette. Elle ouvre la mallette, Véronica Ramirez, puis là, elle voit que c'est pas l'amulette qui est dedans, c'est un bout de brique, en fait, que Céline avait récupéré. Oui, fait que là, elle arrive, la mallette revient, Véronica Ramirez, elle rouvre la valise pour vérifier que si l'objet est bien dedans, puis non, c'est un bout de brique, une pierre que Céline à Jacquard a récupéré dans la rue pendant la filature. Okay. Donc, fait que là, elle voit ça, elle fait « Puta madre! » Excuse. Ok, attends, c'est bon, calme-toi. Déjà, l'espagnol, on oublie, tu vois. Ok. Ton film, c'est vraiment compliqué, là. Tu te rends compte un peu du processus, quand même, dans lequel tu te lances? Ouais. Non, mais je veux dire, c'est une courte poursuite. On fait des plans, tac, 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 un peu dans les rues, avec la moto, tout ça. Là, elle saute une rigole, elle saute par-dessus un ponton, elle saute dans la rigole, un des mecs à moto la suit, il commence à se courir à pied dans la canalisation, dans l'eau, tout ça, ça débouche sur la mer, puis là, des jet skis. Hey, oh. Fait que là, il saute sur des jet skis, un des deux gars à moto, il saute sur un jet ski aussi, puis là, ça court en jet ski. Arrête, les jet skis, tout ça, là, tu te crois où, là? On n'a pas de budget pour des jet skis, des yachts, des motos dans tous les sens, enfin, tu vois, j'ai pas dû te croire, mais. Doucement, là. Ouais, ok. Ben, alors, en tout cas, peut-être pas les jet skis, là, mais c'est. Mettons, ils sont en train de courir dans le fossé, dans la rigole, tout ça, puis là, elle se ressort de la rigole, puis là, ils tombent dans la forêt. Donc, c'est ça, ils commencent à se courir dans la forêt. Écoute, Simon, là, c'est pas possible. Je sais pas, c'est une grosse production, là, ton film. Tu t'imagines tous les props, les motos, les jet skis, la forêt, la meuf sur la falaise, l'agression au couteau. T'as 48 heures, quoi. Comment tu vas faire ça en 48 heures? Ouais, non, en fait, c'est pas vraiment 48 heures. C'est avec la réunion de prod, c'est plutôt 32. Et 32 heures? Mais dis-je. C'est pas possible. Moi, je veux bien t'aider, hein, mais on va pas pouvoir le terminer, ton film. C'est pas possible. Ils ont prévu de la pluie, là, tout le week-end. Il va pleuvoir comme vache qui pisse. Ah ouais, ah ouais. Ils annoncent de la pluie. Je suis désolée, tu pourras pas terminer ton film. C'est pas possible. Il est beau, ton projet. Hein. Il est vraiment bien écrit et tout, mais on va pas pouvoir le terminer. Tu te rends compte de ça? On va pas pouvoir le terminer.
Et sinon, t'as déjà pensé à une comédienne pour ton rôle principal ?